Elle est organisée chaque année par les équipes pédagogiques, administratives et bien sûr les étudiants de l'école. Près de 600 participants en 2018 ont répondu à cette invitation annuelle. Des parents venus de toute la France, curieux de découvrir l'environnement de l'école et surtout s'informer sur le choix et les études de leurs enfants. On est venu là aujourd'hui pour se rendre compte un petit peu des locaux dans lesquels il évolue et puis de l'esprit qui règne dans cet établissement. C'est un mélange de curiosité et aussi pour me rassurer, pour savoir réellement quels étaient les cours dispensés à ma fille. Parce que je découvre réellement que c'est un enseignement de qualité. Parce que de lire des brochures et de voir physiquement, ça fait deux choses différentes. On travaille au centre de Neuf-Paul avec 6000 euros qu'on investit dans un portefeuille commun. On investit sur le marché français, le CAC 40 et même sur les marchés américains. Outre la visite matinale de la ville, comptez une après-midi entière pour vous imprégner des différentes activités et structures de l'école. Effectivement, l'année dernière, on a enregistré 240 000 entrées dans l'année. Et en moyenne, par jour, dans la semaine, on fait 900 entrées. Qu'il s'agisse de la stratégie globale de l'école, de la vie au sein de l'établissement, de l'enseignement qui y est dispensé ou des perspectives qui sont offertes aux étudiants, l'idée de cette visite soigneusement orchestrée est aussi de soulager certaines inquiétudes ou interrogations des parents après un investissement conséquent engagé pour l'avenir de leurs enfants. Oui, on était un petit peu étonnés au départ par un emploi du temps qui était assez décousu et qui n'était pas très dense. Donc peut-être justement être assuré sur ce côté-là. Peut-être qu'il y a un investissement personnel de l'étudiant qui doit être plus important. Moi, très clairement, ça m'intéresse beaucoup de savoir où va l'argent que l'on met pour la formation de notre fils, parce que il a des étoiles qui brillent quand il parle de son école, hein, dans les yeux, c'est super. Mais nous, parents, on est intéressés par l'après de l'école, hein, parce que ça va offrir. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que c'est une formation pour la plupart du temps pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les bases théoriques qui nous ont été apportées par exemple déjà pendant la première année et la seconde année d'école de commerce. Et l'idée, ça va être de mettre en pratique ces bases théoriques dans des startups pour justement se familiariser avec le monde des startups. Ça foisonne d'idées de partout, c'est un bouillon de culture aussi bien au niveau des langues que au niveau entrepreneurial, la finance. Tous les domaines sont abordés et je suis très agréablement surpris par tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, en tant que maman, j'aimerais avoir 30 ans de moins et être étudiante ici.